L'unité de la protection civile est laissée pour compte. Devant intervenir pour secourir les personnes en situation de danger, ce service est presque en manque de tout. Selon Ali Manalo, commandant de cette unité, il n'y a ni caserne pour son équipe, encore moins une ambulance. D'abord, le service n'est pas caserné. Nous n'avons pas de caserne. Nous sommes tout juste logés quelque part avec les sapeurs-pompiers ensemble. Ensuite, le matériel que nous avons besoin pour faire des interventions, tels que des accidents, pour assister aux accidents, aux accidentés, l'ambulance par exemple. Donc nous travaillons avec l'ambulance d'une autre institution qui est l'hôpital régional. Depuis, n'est-ce pas, le changement, nous avons mis le carburant une fois, et ça aussi, donc ça joue sur nous. Et surtout, lorsque les hommes sont là avec nous, 24 heures sur 24, ils doivent manger. Alors ce manger-là aussi, on n'en a pas. Donc ça fait partie des difficultés. Outre l'absence de caserne et d'ambulance, ce service est en manque de citernes à eau. De nos jours, il ne dispose que de 2 citernes à eau, dont une offerte par l'ancien Premier ministre cabinet Comara. D'ailleurs, à croire le commandant Ali Malalo, ces 2 citernes aussi sont constamment en panne. Oui, il y a deux seulement qui sont là pour la ville, toute la ville de Kankan. Bon, il y a quelquefois les cannes de panne de batterie. La fois dernière, il y a eu l'assistance de la préfecture en batterie. Mais toujours, les difficultés continuent parce qu'il y a d'autres pannes qui se créent et il n'y a pas de fonds pour les réparer. Malgré toutes ces difficultés, l'unité de la protection civile s'est distinguée en 2021 avec des interventions sur le terrain. Selon le commandant Ali Manalo, ils ont participé à l'évacuation de 16 malades sur Conakry et 13 sur Bamako. Le service a également assisté 68 personnes victimes d'accidents de circulation. Le service a fait 27 sorties pour éteindre les incendies et a couvert 10 événements publics. Il a aussi découvert 17 corps sans vie et a désinfecté 15 locaux dans la lutte contre la COVID-19 à Kankan.